Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Papa Bugorge. J'ai reçu une super surprise de la part de FlexiSpot. Ce sont trois gros cartons ici qu'on peut voir. 1, 2, 3. Donc comme vous avez pu le deviner ici, on voit bien ici grâce à ce schéma qui est dessus, c'est un plateau de bureau. Ici dans celui-ci, on a les pieds du bureau. Et enfin, un dernier carton, je ne sais pas trop ce qu'il y a dedans, on va le découvrir lors du montage. C'est un bureau qu'on appelle assis debout, c'est-à-dire que c'est un bureau grâce aussi au système ici, qui permet de monter et descendre en fonction de l'utilisation. Et maintenant, on va pouvoir passer au montage. Voilà, on est un temps du grand, ici ça c'est son bureau, donc il a vieilli, il a pris du temps, il est un peu usé, et surtout il a des problèmes avec ses jambes, parce que le grand, il est plus grand que moi, donc forcément, il est gêné, donc avec le nouveau bureau de FlexiSpot qui permet de bouger en hauteur, il va pouvoir être tranquille. Voilà, on a commencé à installer, là on a tout monté, il ne me reste plus qu'à régler le plateau ici, parce que c'est plus grand que la structure du bureau là, donc il faut l'agrandir. C'est très simple, hein. Franchement, on met d'abord ces pièces-là, ensuite celle-là, ensuite celle d'au-dessus là, et ensuite le plateau qui va en dessous qu'on a protégé avec l'emballage. Et maintenant, on va juste élargir au milieu pour pouvoir adapter avec les vis ici. Ensuite, on retourne et on mettra tout ce qui est électrique. Donc voilà, on a fini l'installation, on a mis la protection pour les vis. Donc le plus dur, ça a été quand même de mettre les vis ici, là, sur les côtés, parce qu'en fin de compte, le plateau est plus grand en largeur que le support du bureau. Donc il faut bien vraiment faire attention sans devoir revisser derrière dans le bois, ce serait vraiment dommage. Donc voilà, le bureau il est monté, ici on peut voir en dessous ce qu'on a vu tout à l'heure. Voilà, on va faire un test maintenant pour le monter. Là on a branché. Waouh. Alors, si on appuie dessus, ça monte. Allez, raboule avec ton siège pour voir. Alors, assieds-toi. Alors, c'est quand même mieux qu'avant, hein. Donc voilà, c'est ce qu'il y avait dans notre carton, parce qu'en fin de compte, je vais ça, on a cette plaque-là qui va se mettre derrière, là-bas. C'est ce genre de plaque où on peut mettre des petites attaches pour mettre des casques, des petites étagères, etc. Voilà, donc c'est un peu comme les modules de bricolage qu'on peut trouver dans les magasins de bricolage, voire une marque suédoise aussi, que je ne citerai pas. Toutes les attaches vont permettre, on va fixer la plaque que je viens de montrer, on va la fixer ici sur les deux attaches, et deux attaches de l'autre côté, parce que c'est interdit de mettre ça sur les pentes ou sur les trucs incurvés comme ici, donc on va attacher l'autre côté pour que la plaque soit derrière. Donc voilà, ça c'est tous les éléments qui étaient dans le carton. Donc voilà, c'est fini, le grand c'est toi, tu vas pouvoir maintenant travailler tranquillement avec un super bureau FlexiSpot. Bon, allez, plus sérieusement, on va regarder les options là, ici en dessous. Ici, on a les options pour monter, l'option pour descendre. Ici, on a une mémorisation, on peut avoir jusque 4 mémoires, donc on peut avoir la mémoire maximum, la mémoire minimum, comme si on pouvait être assis et debout. Allez, vas-y, appuie. D'accord. Maintenant, je voudrais que tu montes. Attention, stop. Ah bah oui, parce qu'il faut faire attention, là. On a dû déjà enlever une étagère ici, parce qu'il y a forcément ces cahiers de cours qui sont là. Mais la deuxième, on va faire attention. Donc c'est pour ça qu'il sera intéressant, ici en dessous, là, comme je vous montrais tout à l'heure, de mémoriser la hauteur maximum et la hauteur minimum. Donc comme ça, il n'aura plus qu'à mettre le choix qu'il veut. Et hop, terminé. Ah oui, encore un petit truc là, regardez. Oh, il y a marqué USB là. Donc sur le côté, on a une prise USB, c'est-à-dire qu'on peut brancher un appareil USB derrière ou recharger par exemple son téléphone directement depuis là. C'est génial, hein, qu'est-ce que t'en penses? Donc voilà, on a fini de monter le bureau, mais il fonctionne. Merci encore à FlexiSpot pour tout ce bureau assis debout, donc qui est programmable. Et tous les accessoires qu'ils ont fournis avec pour que le grand puisse customiser son bureau. Donc cette vidéo est terminée. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à la commenter, à la partager et vous abonner à ma chaîne. Merci.